À l'Académie Seeds, au Sénégal, on joue au basketball pour gagner et en faire un métier. Dans le seul centre de formation international de basket en Afrique, une trentaine de Sénégalais s'entraînent pour devenir pro. Youssoufa, à 17 ans, il chausse du 52 et mesure 2m23. Comme les autres, l'objectif pour lui est de jouer en NBA, la Ligue américaine. La NBA, c'est le haut niveau, quoi, c'est le top. De la 3e à la terminale, ces basketteurs vivent dans les installations du Centre National d'Éducation Sportive. Sélectionnés parmi les plus prometteurs du Sénégal, ces jeunes sont aussi pris entièrement en charge sur le plan sportif et scolaire. Car en plus des entraînements, ils doivent avoir de bons résultats à l'école. C'est d'essayer de les inculquer les valeurs de l'homme à travers le sport. C'est pas simplement de faire des basketteurs, mais c'est de faire des êtres humains qui peuvent servir l'Afrique, le monde, le Sénégal. Depuis 2003, presque 300 joueurs sont passés par l'académie. Une quarantaine d'entre eux ont été envoyés dans des universités américaines et un seul a réussi à atteindre la NBA. Les autres continuent leur carrière en Europe ou au Moyen-Orient. La nature a été très généreuse, disons, par rapport aux Africains. Maintenant, il suffit de les amener à, disons, se familiariser avec le jeu, disons, plutôt que d'habitude. L'Académie Seeds aimerait aujourd'hui s'implanter ailleurs qu'au Sénégal. Mais cela paraît encore difficile, avec, comme seul soutien financier, les dons d'un ancien joueur sénégalais.